Le montage, je parie que t'aimerais bien faire sans. Ah oui, ça me gave, faut que je monte ma vidéo et je sais pas comment faire. Tu te demandes probablement quel logiciel de montage choisir. Ouais, j'ai cherché un peu, il y a Premiere Pro qui a l'air ultra complet, mais ultra cher. Sinon, il y a les applications gratuites sur smartphone, mais ça a pas l'air hyper pro. Ce qui me fait suer, c'est que quel que soit le logiciel, je vais devoir passer du temps pour apprendre à l'utiliser. Et j'aimerais autant pas perdre du temps à apprendre un logiciel qu'au final, j'utiliserai pas. Oh, je te comprends. Mais je te rassure, hein, avec les bons conseils, le montage peut devenir rapide, facile et même fun. Allez, viens avec moi, je vais t'expliquer tout ça. Moi, c'est Caroline de La Chouette qui filme. J'aide les entrepreneurs comme toi à faire des vidéos au look pro. Des vidéos qui boostent ton biz, que tu as plaisir à faire et que tes spectateurs ont plaisir à regarder. Sur cette chaîne, je publie une nouvelle vidéo chaque semaine. Alors, pense à t'abonner et active les notifications pour ne rien rater. Et si tu veux aller plus loin, je t'ai préparé une mini formation de 4 vidéos pour apprendre à développer ton activité grâce à la vidéo. Le lien est dans les commentaires. Dépêche-toi d'aller la récupérer. Alors aujourd'hui, on va voir comment monter ta première vidéo. Et je dois t'avouer quelque chose. La première fois que j'ai voulu faire une vidéo pour mon activité de coach en parentalité, j'ai fait 17 prise. 17 fois, j'ai lancé ma caméra pour essayer de réussir à faire ma vidéo d'une traite, juste pour éviter d'avoir à monter ma vidéo. C'est que même couper les bouts inutiles d'une vidéo, je savais pas faire. Le pire, c'est que cette vidéo, finalement, je l'ai jamais publiée. Pas assez bonne à mon goût, trop amateur. Moi, ce dont j'avais besoin, c'était d'un processus où je pourrais faire des vidéos où ça me prendrait pas plus d'une demi-journée max par semaine par vidéo. Un système où je pourrais avoir l'air pro et naturel dans mes vidéos, tout de suite là, dès les premières vidéos, pas après 5 ans de pratique. Du coup, j'ai creusé, j'ai observé mes concurrents, j'ai décortiqué les vidéos des grands youtubeurs, je me suis formée aussi. Et j'ai compris que le secret d'une vidéo look pro, c'était le montage. Tu peux te planter 17 fois au tournage, du moment que la 18e prise est bonne. Au final, ta vidéo est bonne. Ouais, mais concrètement, comment je fais? Concrètement, tu commences par préparer le script de ta vidéo. D'ailleurs, je t'ai fait une vidéo ici. Si tu l'as pas encore vue, file la regarder à la fin de cette vidéo. C'est une vidéo pour apprendre à scripter ta première vidéo. Je pense qu'elle va être vraiment utile pour toi. Quand ta vidéo est bien préparée, que tu sais ce que tu vas dire, bah, le tournage devient vachement simple. Fini les hésitations, tu prends ton script, tu te filmes phrase par phrase, et puis voilà. D'ailleurs, je t'ai aussi fait une vidéo là-dessus, donc n'hésite pas à aller la voir quand tu auras fini cette vidéo, ça va vraiment t'aider. Et du coup, le montage aussi devient hyper simple, parce que tu ne cherches plus à faire une bonne vidéo d'une traite. Non, tu cherches plutôt à répéter tes phrases jusqu'à ce qu'elles soient bonnes, et tu n'as plus qu'à garder les meilleurs moments au montage. Pas bête! J'y avais pas pensé, dis donc. C'est pour ça que je suis là. Abonne-toi. Et sinon, tu aurais un logiciel à me proposer, un genre pas trop cher et facile à prendre en main? Justement, j'allais te le proposer, mais le plus simple, c'est que tu viennes regarder derrière mon écran. Voici l'interface de l'outil Movavi Screen Recorder Studio, un logiciel de montage peu cher, une quarantaine d'euros, très simple à utiliser et très complet. Je te mets les liens en description. Je suis justement en train de monter une vidéo pour ma formation. Tous les logiciels de montage se ressemblent plus ou moins. Il y a la zone où tu positionnes tes rushs, c'est-à-dire les vidéos que tu as tournées et qui contiennent des bouts à garder et des bouts à jeter. Il y a la zone où tu peux visualiser la vidéo au fur et à mesure que tu la montes pour vérifier que tu es sur de bons rails. Et il y a la zone avec les outils pour travailler sur la vidéo. L'outil le plus utile, c'est celui-ci, qui te permet de découper tes rushs avec celui-ci. Qui te permet de supprimer ce que tu ne voulais pas garder. J'ai filmé l'ensemble de ma vidéo en une seule prise, ce que je ne te conseille pas parce que ensuite c'est pas forcément facile d'aller découper les bouts à garder. Il vaut bien mieux se filmer phrase par phrase, du coup ça va te faire plusieurs toutes petites vidéos les unes derrière les autres. Et si tu te filmes phrase par phrase en répétant chaque phrase jusqu'à ce qu'elle soit bonne, bah tu sais que à chaque fois, c'est la dernière partie de chacune des vidéos qu'il faut garder au montage. Sur cette vidéo-ci, j'ai laissé la caméra tourner. Donc, comme tu peux le voir, là, je zoome un peu. Ici, on voit la partie du son. Donc là, on voit que je suis en train de dire quelque chose. Là, on voit que je ne dis plus rien. Donc, si je regarde, là, on voit que je parle. Et là, on voit que je réfléchis, je
Tu vois, je cherche, je regarde à côté, je me remets à parler. Là, on voit que je réfléchis, je lis mon script, hop, je me prépare à parler, je parle à nouveau, etc. Donc, ça va être relativement facile à monter. Le plus simple, c'est que je vais monter cette vidéo devant tes yeux. Simplement, je vais le mettre en accéléré pour que ça prenne pas trop de temps dans la vidéo. En gros, la création d'une vidéo pour moi, c'est comme la couture. Si tu te lances dans la confection d'un vêtement en n'ayant qu'une vague idée de ce que tu veux faire, tu vas perdre beaucoup de temps et gâcher beaucoup de tissu. Du coup, ce que je te conseille, c'est de commencer par préparer ton patron, c'est ton script. Puis tu vas reporter ton patron sur ton tissu et tu vas découper les morceaux, c'est ton tournage, phrase par phrase. Et après, il ne te reste qu'à coudre les bouts. Ça, c'est le montage hyper simple. Tu peux ajouter plein de fioritures à tes vêtements. C'est là que tu peux laisser libre cours à ta créativité et à ton imagination. Ouais, enfin, je suis pas Coco Chanel, si tu vois ce que je veux dire. Si je comprends bien, t'as pas envie non plus d'être la nouvelle Spielberg. Mais maintenant, tu sais comment monter ta première vidéo. Une bonne préparation de ton script, un tournage facilité phrase par phrase, et hop, voilà le montage qui devient un jeu d'enfant. À toi de jouer! Dis-moi en commentaire le truc que tu retiens de cette vidéo, le truc que tu emportes avec toi, que tu vas essayer dès aujourd'hui, ça m'intéresse. Et si tu as aimé cette vidéo, lâche un pouce bleu, partage à tous tes amis entrepreneurs qui pourraient bénéficier de mes conseils pour apprendre à faire des vidéos pour développer leur biz. Abonne-toi à cette chaîne et n'oublie pas, il y a ta mini formation offerte qui t'attend dans les commentaires. À bientôt dans la prochaine vidéo. J'ai été filmée. À toi de jouer. Lâche un pouce bleu. Un pouce bleu.